Hey, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale palier de la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve puisque comme vous le voyez, on a dépassé les 100 abonnés et même plus précisément nous sommes à 111 abonnés. J'aurais dû acheter plusieurs 1. Mais bon, c'est plus facile pour recycler, vous savez, voilà, faire un peu. Après j'ai le 5 pour faire le 150, etc. Enfin bref. En tout cas, merci beaucoup et vraiment, vous voyez, ça se voit à ma tronche, hein. Je suis vraiment super content, j'ai vu ça hier soir. J'ai voulu faire la vidéo hier soir, mais j'étais trop claqué, donc je la fais aujourd'hui. Vraiment, c'est exceptionnel ce que vous faites vivre. Je ne pensais pas, en créant cette chaîne, avoir autant de retours positifs, autant de mails, autant de messages. Bref, vous inondez mes journées de messages positifs, et ça, c'est plutôt cool. Qui dit 100 sur la chaîne YouTube dit live sur YouTube. Ça y est, on a débloqué en fait le système YouTube qui ne permettait pas jusqu'alors de faire de live YouTube. Donc, je continuerai les lives sur Periscope pour faire des petites caches un peu à gauche à droite parce que d'une part, Periscope c'est vraiment dédié à ça et c'est beaucoup plus simple pour moi de faire des petits lives un peu impromptus comme ça sur Periscope que sur YouTube. Mais par contre, maintenant, on pourra centraliser les vidéos, par exemple là pour la vidéo du tirage au sort des 100 ou toute autre vidéo où j'aurai besoin de vous parler tous ensemble, d'avoir tous les abonnés en même temps, je les ferai sur YouTube et ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà. Donc, je viens de le dire, qui dit palier dit tirage au sort. Donc, je vous l'avais montré en photo, voilà, le pack complet de maintenance. Donc, c'est un pack complet de maintenance plus il y a un petit TB à l'intérieur. Donc il y a dedans des petites fioles, des crayons, des logbooks officiels, des wood tokens, des pampilles, un taille crayon, des logbooks, des sachets zip et un TB. Voilà, donc c'est un joli petit cadeau pour fêter les 100 abonnés. Là vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'on va avoir aux 250 abonnés? Eh ben je sais pas encore. Je crée ça comme ça d'un coup, sous vos idées, etc. Mais voilà, plus on va avancer, plus les cadeaux seront bien sûr gros. Ce qui est normal, hein, voilà, vous me faites vivre des trucs énormes, donc j'essaie de vous faire vivre des trucs. Je vous ai pas entendu. Je vous propose également en fait de me poser toutes vos questions que vous avez, parce que vous m'en posez régulièrement et je vous réponds un à un et en fait j'ai souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc je vous propose pendant le tirage au sort, ou juste avant ou juste après, on va voir comment on s'organise, vous faire une petite vidéo live en fait FAQ. Donc pour ceux qui avaient des questions, voilà, donc vous m'envoyez toutes vos questions, je les note sur un petit papier, etc. Toutes celles qui reviendront le plus, etc., je les regrouperai et je pourrai vous répondre, répondre à vous toutes maintenant, on est assez nombreux, de manière plus simple que de répondre un à un, c'est assez long et puis c'est voilà, c'est plus simple de répondre à tout le monde, vous avez compris. Donc voilà, vous m'envoyez toutes vos questions, donc que ce soit par message privé sur Facebook, comme vous le faites, ou en commentaire de cette vidéo, voilà. Vous inondez les commentaires de questions, etc., et on répondra à ça rapidement. Donc la vidéo FAQ et le tirage au sort auront lieu mercredi 1er. Voilà, donc je me suis dit que là, beaucoup de gens ne travailleront pas. Et comme d'habitude, aux alentours de 18h30, 19h, je pense qu'on va même caler ça plutôt vers 19h. Je serai présent avant, mais voilà, le début du tirage au sort commencera à 19h et l'ouverture peut-être 18h30. Voilà, histoire qu'on papote un petit peu avant, mais je répondrai pas au FAQ avant 19h. Il va y avoir des annonces, je pense, assez énormes. En fait, j'ai pas mal d'annonces assez énormes à vous faire et j'attends encore une petite semaine pour vous les révéler, je pense. Dans tous les cas, je serai en déplacement dans la région bordelaise, j'en ai déjà parlé. Je serai donc du 3 au 12, enfin 3 au 11, comptez 3 au 11, sur la région bordelaise. Je vais passer ma semaine à faire du geocaching là-bas. Je ne serai pas disponible le week-end, mais par contre, si dans la semaine vous avez envie de vous faire une petite cache avec moi dans la région, n'hésitez pas, je serai dispo. Voilà, une petite rencontre comme ça, une petite cache et puis on s'éclate. Il y a même un event de prévu, hein, n'hésitez pas. Il y a un event de prévu le mercredi suivant, donc je crois que ça va tomber le mercredi 8, sur Saint-Médard-en-Jalles. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on va faire un joli event autour d'une bonne table. Et voilà, rencontre, échange de TB, etc., etc. Vous me connaissez, c'est le fun, le sourire et on s'amuse. Convivialité, c'est l'objectif. Il y a énormément de vidéos en cours, il y en a 4 qui ont été tournés, donc 4 à monter. J'ai une vidéo TB qui va sortir, donc comment loguer son TB qui va sortir normalement aujourd'hui. Il y avait des petites choses qui me plaisaient pas, en fait je vais la sortir ce matin et hier soir j'ai annulé la publication et je compte la remodifier un petit peu aujourd'hui.
Donc elle sortira aujourd'hui ou demain matin maximum, mais voilà, je l'ai promis, il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Et voilà, ça arrive. Également mon matériel, donc on m'a demandé pas mal de fois le matériel que j'utilise pour géocacher, donc je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé au début, au moins la base, et celui que j'ai actuellement. Et voilà, et pas mal d'autres vidéos, des vlogs, etc., des rencontres. Il y aura certainement des très grosses rencontres à venir également. Bref, plein de belles choses et plein de nouveaux contenus. J'espère en tout cas que tout ça vous plaira. Nous sommes le 30 octobre, n'oubliez pas que demain, c'est Halloween. Donc, et n'oubliez pas de faire une cache de nuit si possible, pendant le jour d'Halloween afin de débloquer votre badge spécial Halloween sur le site geocaching.com, bien sûr. Donc voilà, et puis bon, bah, c'est le jour idéal pour se faire peur dans une cache de nuit, si vous en avez une dans le coin, etc. N'hésitez surtout pas à le faire, il y aura forcément des caches qui sortiront le jour d'Halloween dans votre région, enfin, c'est souvent le cas. Donc voilà, je vous invite à aller faire une cache de nuit, n'hésitez pas à publier vos photos sur la page, et je pense qu'on sélectionnera les meilleures photos, enfin bref, on trouvera une idée, n'hésitez pas à nous faire un max de retours sur cette journée plutôt sympa, qui n'est pas dans la culture française, mais avec le géocaching qui est une activité qui est venue des États-Unis, pourquoi pas s'y initier. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, géo-amitié à tous, ciao ciao!